On a notre page de garde qui a été insérée. Page vierge a été insérée. Tableau a été inséré. Et les images aussi, puis les formes. Donc nous avons fait le tout. Bonjour à tout le monde, vous allez bien j'espère. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'insertion des objets dans un document Word. Avant de commencer, je vais vous demander de faire trois petites choses. Appuyez sur le bouton s'abonner qui est juste en bas. Activez la cloche de notification et soutenez-moi avec un pouce bleu. On prend le générique et on commence. Okay. Le plan de notre leçon est le suivant. En grand 1, nous allons voir comment ajouter une page de garde. En grand 2, comment ajouter une page vierge. En grand 3, comment ajouter un tableau. En grand 4, comment ajouter une image. Et en grand 5, comment dessiner une forme géométrique. Sans plus tarder, on va directement passer au contenu. Comment insérer un objet globalement? Pour insérer un objet, il y a ce menu, insertion, qui fait partie du ruban, d'accord? Qui fait partie des onglets du ruban. Donc, il faut venir cliquer sur insertion. Et là, vous allez voir les différents types d'objets que vous pouvez insérer. Vous avez les pages, les tableaux, les illustrations, les compléments, les médias, les liens, les commentaires, les entêtes, les pieds de page, texte et symboles. Pour aujourd'hui, nous allons nous contenter, nous allons nous concentrer sur les parties pages, tableaux et illustrations. D'accord? Maintenant, comment ajouter une page de garde? Pour ajouter une page de garde, c'est simple. Vous voyez cette partie ici. Donc, vous venez sur la partie, vous cliquez d'abord sur l'onglet Insertion, ensuite vous venez sur Page, vous allez dérouler Page de garde. Là, on dit Ajouter une page de garde. Votre document fera forte impression dès le premier regard, grâce à une couverture au style impeccable. Personnalisez-le à l'aide des options de police ou de couleur dans l'onglet Création. Pour insérer dans une page de garde, on peut dérouler ici et on choisit un modèle. On choisit un modèle parmi les modèles qui sont proposés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un modèle par défaut là, un modèle-ci avec une image par exemple. Je vais cliquer dessus. Ou alors ce premier modèle. Je clique dessus. Ça va insérer la page de garde à la première page du document. Puisque la page de garde, c'est la page de couverture d'un document. D'accord? Donc voilà la page de garde. Il y a déjà des zones où vous pouvez ajouter les différentes parties de votre page de garde. Ici, on dit attirer votre lecteur avec un résumé. Donc vous devez mettre le résumé du document ici. C'est pour ce modèle. Vous devez mettre le titre du document. Là, vous double-cliquez, vous changez ce qui est là, vous mettez le titre. Vous mettez le sous-titre là et l'auteur est là. L'auteur par défaut ici, c'est mon prof d'info. D'accord? Donc, c'est assez simple. Vous cliquez, vous choisissez votre page de garde et vous la personnalisez selon vos besoins. On va revenir ici. Comment ajouter une page vierge? Pour ajouter une page vierge, nous sommes toujours au menu Insertion et nous sommes toujours dans la partie Page. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce bouton Page vierge.
ajouter une page vierge, insérer une page vierge n'importe où dans votre document. Donc, si je me place ici, si je me place par exemple après page de garde, je clique sur page vierge. Regardez ce qui se passe. Ce qui est une page là, le grand 2 va aller sur une page vierge et le contenu qui suit sera sur une autre page. Mais si je me place plutôt à la fin du document, ça veut dire à la fin des écrits, je clique sur page vierge, il y a une nouvelle page qui apparaît dans le document. Donc, ce bouton permet d'insérer une page n'importe où, une page vierge. N'importe où dans le document. D'accord? Nous avons donc inséré la page vierge et la page de garde. Maintenant, comment ajouter un tableau? On va ajouter un tableau ici même. Pour ajouter un tableau, nous sommes toujours au niveau du menu insertion. Et là, nous avons cette partie tableau ici. Il faut donc dérouler. Cliquez sur tableau. Là maintenant, tout dépend du nombre de lignes et de colonnes que nous voulons pour notre tableau. 1 fois 4, ça voudrait dire une ligne, 4 colonnes. D'accord? Si je descends, vous allez voir ces 2 lignes, 4 colonnes. 3 lignes, 4 colonnes. 4 lignes, 4 colonnes. On va donc insérer un tableau à 4 lignes, 4 colonnes. Voilà notre tableau qui est inséré. On peut le déplacer. Notre tableau qui est inséré. Une fois le tableau inséré, il faut donc insérer le contenu du tableau. Tout dépend de ce que nous voulons insérer. Si je veux insérer une autre colonne à partir du tableau qui est déjà fait, je viens ici, je fais un clic droit à la fin du tableau. Vous voyez là, il y a le curseur là. Je fais un clic droit là-bas. Je viens là, insérer. Insérer quoi? Au-dessus. Voilà, c'est pour insérer une ligne. En dessous, une ligne en dessous. À gauche, une colonne à gauche. À droite, une colonne à droite. Je fais ceci, ça insère une colonne à droite. Si je veux insérer une colonne à gauche, je fais cela, ça insère. Si je veux insérer une ligne au-dessus, voilà la ligne qui est insérée au-dessus. Toujours par rapport à la position du curseur, si je veux insérer une ligne en dessous, ça va insérer. Donc voilà comment manipuler. Si je veux fusionner, je sélectionne. D'accord? Je veux sélectionner par exemple deux colonnes. Ici, les deux colonnes du dessus. Et je clique là, fusionner. Vous voyez comment fusionner un tableau. Voilà. Si je veux plutôt fractionner, ça veut dire c'est fusionner, je veux fractionner. Je vais plutôt venir ici. Je clique dans la colonne. Je clique sur fractionner. Maintenant, je veux combien de lignes, combien de colonnes? Une ligne, deux colonnes. Ça fractionne. Donc voilà comment manipuler un tableau rapidement. D'accord? Si je veux plutôt supprimer, là je vais venir ici supprimer. Supprimer quoi? Supprimer les cellules. Ça va supprimer la cellule qui a le curseur. Si je veux plutôt supprimer la colonne, ça va supprimer la colonne qui contient le curseur. Si je veux plutôt supprimer, regardez, ça va supprimer la colonne. Si je veux plutôt supprimer la ligne, ça va supprimer la première ligne qui a le curseur là. Si je veux supprimer la ligne, ça va supprimer cette ligne-là. Je reviens. Si je veux plutôt supprimer la cellule, ça va supprimer. Et maintenant, pour supprimer, lorsqu'il y a suppression de colonne, il y a. Lorsqu'il y a suppression de cellules, il faut qu'il y ait ajustement. Il faut qu'il y ait ce décalage. Là, vous voyez ce qui se passe. OK. Voilà en gros comment manipuler les tableaux. Maintenant, comment ajouter une image? Nous avons toujours l'onglet insertion. Et ici, nous avons illustration. Là, nous avons image. Ça, c'est depuis un fichier, c'est-à-dire depuis notre ordinateur là. Image. On insère. On a donc retrouvé une image dans l'ordinateur. On insère. Maintenant,
On peut appliquer un style à notre image. Il y a des effets qu'on peut appliquer à notre image. Par exemple, ici, dans l'onglet style d'image, on peut venir en arrondi, ovale. Vous voyez les différents styles qu'on peut appliquer à l'image. On peut appliquer différents styles. Perspective en relief, on va donc laisser ça. On peut aussi effectuer, on peut modifier la mise en page. D'accord? On peut dire que l'image est devant le texte. D'accord? Là, on va déplacer l'image à notre guise. On va déposer l'image là. On peut aussi venir toujours dans l'onglet ici. On peut compresser, rétablir, modifier la couleur. Regardez, lorsque je fais ça, la couleur est modifiée. Donc, voilà un certain nombre de choses qu'on peut faire sur les images. Maintenant, comment dessiner une forme géométrique? Nous avons cette partie insertion toujours. Nous avons ici forme. Dessiner une forme, insérer une forme prédéfinie telle que les cercles, les carrés et les flèches. D'accord? Là, vous cliquez sur forme, vous déroulez et vous avez une multitude de formes que vous pouvez dessiner. Vous pouvez dessiner une zone de texte. Là, dans cette zone, vous pouvez écrire du texte. Vous pouvez dimensionner votre zone à votre guise. Vous pouvez déplacer, la positionner là où vous voulez. Vous pouvez modifier le contour. Voyons voir comment insérer une autre forme. Vous pouvez insérer par exemple cette forme-ci. Cette forme-ci, cette forme qui vient avec une couleur par défaut. Et lorsque vous voulez ajouter du texte à l'intérieur, vous faites un clic droit dessus. Vous mettez ajouter du texte. Vous pouvez mettre nouveau. Pouvez agrandir. Voilà le texte à l'intérieur. On peut modifier outil de zone. On peut modifier. Vous voyez, on modifie la couleur. Voilà une autre forme qu'on vient d'insérer. On peut aussi, voyons une troisième forme qu'on peut insérer. Il y a tellement de formes qu'on peut insérer. Voyons ceci. Voilà, vous avez cette forme-ci. Tout dépend de ce que vous voulez présenter au lecteur. Là, vous pouvez mettre le contenu ici. Contenu de la forme. Pouvez personnaliser votre forme en modifiant la couleur du contour. Couleur, vous pouvez mettre qu'il n'y a même aucune couleur dans le remplissage. Là, vous laissez en blanc. Le contour, c'est ici. Vous pouvez modifier le contour. Il y a les effets. Voilà. Regardez, par exemple. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà comment dessiner une forme géométrique et la personnaliser. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette leçon. Je vous remercie pour votre aimable attention. Là, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Avant
de vous quitter, je vais vous demander de faire une petite chose cette fois-ci. Partagez la vidéo, partagez pour que plusieurs personnes puissent apprendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.